Docteur Ahmed, bonjour. Bonjour. Vous êtes le médecin directeur du centre Covid du CMK. Depuis quand est-il opérationnel? Alors, nous l'inaugurons aujourd'hui même et il recevra ses premiers malades la semaine prochaine. Combien y a-t-il de lits ici? On a 27 lits de réanimation auxquels s'ajoutent 20 lits de soins semi-rapprochés. Qu'entendez-vous par soins semi-rapprochés? Alors, c'est des soins adaptés pour les personnes qui n'ont pas besoin d'une réanimation lourde, mais qui sont encore un petit peu trop aiguës pour pouvoir être hospitalisées dans un service classique. Alors, quand on voit ce centre, on se demande, vous avez commencé à mettre en place ceci quand? Il y a 5 semaines, exactement. Nous sommes partis de rien il y a 5 semaines. Et en 5 semaines, vous avez construit un tel centre? Nous avons bénéficié du building qui était déjà présent, mais complètement nu. Et nous l'avons équipé avec l'aide de la communauté libanaise, de la communauté ismaélienne et de la communauté indienne qui se sont joints à notre projet de mise en place d'un centre de soins Covid-19 pour les patients les plus graves. Des travaux pour d'un coût total de combien? Le budget n'est pas encore complètement finalisé, puisque nous avons encore quelques petits aménagements à faire. Et puis, nous avons également des équipements qui sont en attente de livraison actuellement en transit en Éthiopie venant de Chine. Alors, je vois des opérateurs, je vois ce qu'on a l'habitude de voir et ce qui semblait manquer jusqu'ici au Congo. D'où vient tout ça? Alors, l'expertise, elle est là. Hein. C'est notre équipe médicale, nos équipes médicales du centre médical de Kinshasa. Pour ce qui est du matériel, vous voyez, il y a à peu près un tiers du matériel qui est donc disposé déjà le CMK, hein, qui a 11 lits de réanimation complet, donc plus du matériel supplémentaire. Donc, nous avons mobilisé ces ressources déjà présentes dans notre hôpital. Et puis, nous avons complété avec des équipements médicaux en provenance de Chine, qui est un des rares pays actuellement à les mettre à pouvoir les vendre. Alors, qui connaît le CMK sait que c'est une médecine plutôt privée. Pour une épidémie qui a vraiment un caractère public, qui aura accès à ce centre? Comme au CMK, je pense que qui connaît le CMK, pour reprendre vos mots, c'est que le centre est ouvert à tous et à toutes. L'idée, c'est de pouvoir apporter des soins de qualité le plus proche possible des standards internationaux. Fatalement, ça a un coût. Les financements sont toujours disponibles en général pour nos patients. Et ce centre sera ouvert à tout patient, tout patient quinois, indifféremment de ses conditions de ressources. Le ministère de la Santé parle de ces centres spécialisés Covid. En faites-vous partie? Oui. Ils nous citent régulièrement et nous avons été désignés comme centre Covid. Ouais. Le président de la République, dans son discours, a annoncé que tous les soins Covid seraient à la charge de l'État. C'est donc aussi le cas ici? Nous l'espérons, oui. Et nous n'avons aucune raison d'en douter. Entendez, le gouvernement devra mettre la main à la poche. Le gouvernement, à travers l'allocution du président, semble s'être engagé à prendre en charge les soins. Je n'ai pas de raison d'en douter. Aujourd'hui, la grosse question, c'est comment prendre en charge les malades? Comment s'organise la prise en charge chez vous? Alors, je peux parler du circuit que nous avons mis en place. Nous avons un service d'accueil des urgences qui a été scindé en deux. Une part dédiée aux patients habituels, non Covid, et une part dédiée aux patients suspects ou confirmés. Donc, dans ce circuit Covid, le parcours du patient commence aux urgences. Et à partir de là, il y a tout un algorithme qui permet de discriminer chacune des situations de manière à l'orienter vers une solution adéquate qui va de l'hospitalisation à l'isolement dans un centre de quarantaine, etc. Ici, on voit l'isolement, ce n'est pas tout à fait le cas. L'isolement se passe où? Alors, ici, il ne s'agit pas du tout de patients isolés. Je vous rappelle que c'est un centre dédié aux cas les plus sévères, des gens qui nécessitent la mise en place de manœuvres de réanimation très poussées. Et à ce titre, cette salle de soins ne regroupera que des patients confirmés. Il ne s'agit plus d'isoler des patients. L'isolement, en fait, c'est la salle elle-même. Et les patients bénéficient d'un isolement collectif puisqu'on sait qu'ils sont tous
Covid positif. Vous avez parlé de l'accueil aux urgences, splitté en deux. Quand on sait que certains symptômes du Covid sont les mêmes que pour la grippe banale ou la malaria, où se fait le tri ? Le tri se fait à l'entrée par l'infirmière d'accueil et d'orientation. Et le fait que les symptômes puissent être communs avec d'autres maladies ou totalement bénins fait que le contingent de patients suspects grossit, et ce n'est qu'au fur et à mesure de la prise en charge qu'on peut élaguer ce contingent de patients. On a parlé de prise en charge du malade, on n'a pas parlé de son traitement. On parle de Artemisia, on parle de hydroxychloroquine, doublée d'antibiotiques, on parle d'autres initiatives. Quelle sera la vôtre ici ? Comment allez-vous traiter les malades ? On suit les recommandations édictées par le comité médical de la cellule de lutte contre le Covid. Hydroxychloroquine, azithromycine. Exactement. Et puis tous les traitements adjuvants qui sont très importants et qui permettent en gros de pallier à toutes les défaillances viscérales des patients les plus graves. Je vois que la salle est encore vide, pour à raison, vous inaugurez aujourd'hui. Vous attendez à recevoir combien de malades quotidiennement ? Je n'ai pas de projection. Il est quand même intéressant de noter qu'à ce stade, et nous espérons tous qu'on en reste à ce niveau, le flux de malades est encore contrôlé et nous accueillerons ce que nous serons en capacité d'accueillir. Tant qu'il y aura des lits, nous accueillerons des patients. Docteur Ahmed, je vous remercie.